Ricci en x sera égal à la somme pour j allant de 2 à n des courbures sectionnelles entre u et ej, où u égale e1, e2, etc., en est une base orthonormée de txn. Donc en gros, alors ce soir, j'ai un octatrack MK2. Pour rappel, ce sampleur d'électrons, c'est le successeur de l'octatrack MK1. Alors, les deux machines ont à peu près la même taille. À l'inverse des autres MK2 chez Electron, pour l'octatrack, ils ont gardé le même format. C'est une boîte rectangulaire. L'octatrack, il est fabriqué par Electron, c'est une boîte suédoise. Les meubles Ikea, tout ça, c'est cool, ouais. Mais il est pas en kit, quoi, heureusement, parce que sinon... Et c'est une bécane qui a la réputation d'être assez compliquée. C'est pas la première machine qu'ils font, ils ont fait tout un tas de trucs, mono-machine, mais aussi la machine drum, le analog 4, analog rhythm, et toutes ces sortes de choses. Cet Octatrack MK2, il m'est prêté par le magasin Michneau. Michneau, c'était un grand magasin à Nantes, 1000 m² d'exposition, où vous allez trouver des guitares, des batteries, des synthés, de la sono, des pianos, du DJ, enfin tout ce que vous pouvez rêver autour de la musique, vous le trouverez chez Michneau. Michneau, c'est également un site internet, michneau.com. Ils vendent en France et dans toute l'Europe. C'est pas plus cher qu'ailleurs, et ils ont d'excellentes reviews, alors n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à acheter sur leur site, parce qu'ils sont cool. Merci Michneau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une boîte en face arrière, une sortie casque, une sortie main out stéréo, une sortie Q out stéréo, deux entrées input ABCD, enfin quatre entrées mono ou deux entrées stéréo, les entrées sorties MIDI in, out et through, un lecteur de carte compact flash. La carte compact flash est livrée avec, elle contient les presets. 16 Go. Je la remets dedans. Un port USB, la lime et le bouton on off. Le premier truc qui m'a frappé, c'est que 1, c'est pas la même couleur. 2, l'écran du MK2 est plus petit que l'écran du MK1. Mais what the f... Ouais, c'est assez bizarre ça, parce qu'en fait, quand tu upgrades d'un matériel, t'as pas trop envie que l'écran soit plus petit. Rapidement, les différences. Vous pouvez voir, le form factor est identique. Les boutons qui sont ici sur le nouveau MK2 sont du format Digitact, c'est-à-dire avec des sérigraphies qui sont légèrement différentes. Ils sont carrés au lieu d'être ronds. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'écran est effectivement légèrement plus petit sur l'Octatrack MK2, alors que là, il est effectivement plus grand. Oh, une belle animation colorée. Donc en termes d'écran, là, vous voyez tout de suite le problème, c'est que c'est pas hyper lisible. Et ça, c'était une propriété de l'ancienne Octatrack MK1. C'est vrai que quand on lit l'écran avec un angle... Moi, je suis assis devant, par exemple, et vous voyez, là, avec l'angle avec lequel je le lis, c'est pas hyper lisible. Ici, c'est hyper lisible. Là, je vois très très bien l'écran. En revanche, il est légèrement plus petit, donc ça me donne envie de frapper des gens. Au niveau des autres différences, on peut voir que les LED rondes qui étaient à côté des boutons sur l'Octatrack MK1 ont disparu, ont été remplacées par un éclairage à l'intérieur du bouton, avec différentes couleurs. Donc là, par exemple, quand on sélectionne une track, elle passe en rouge. On va la muter, elle va s'éteindre, mais quand on va la sélectionner et qu'elle est mutée, elle est jaune. Ici, les boutons sur la gauche ont changé. On avait avant deux boutons record qui s'appelaient record et setup. Ici, ça s'appelle rec 1, rec 2, rec 3 avec d'autres sérigraphies, setup 1, setup 2 et rec edit. Et en dessous, encore une deuxième sérigraphie avec marqué pickup, un petit plus, et ici pickup avec un petit bouton play et un petit bouton stop qui doivent effectivement servir pour... utiliser la pick-up machine, on en parlera un tout petit peu plus tard. Ici, le bouton Rec 3 semble être dédié au resampling interne de l'Octatrack MK2. Avant, c'était une combinaison de touches sur l'Octatrack MK1. Alors, on va voir que globalement, il y a beaucoup plus de boutons sur l'Octatrack MK2 et que ça va nous permettre de faire beaucoup moins de combinaisons de touches et d'avoir des accès directs à des fonctions. Par exemple, le menu projet, ici, est accessible par une simple pression sur un bouton, alors qu'avant, il fallait faire fonction, mixeur, et on arrivait sur le menu Project, qui était écrit ici en rouge, et on arrive exactement au même résultat. Donc la même chose avec les parts. AED, c'est l'éditeur audio. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avant, pour rentrer dans l'éditeur audio, c'était relativement relou. Bouton arrangement accessible directement, alors qu'auparavant, il fallait faire fonction pattern. Donc oui, globalement, des accès facilités à différents types de menus. Sur le bas, il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est effectivement les fonctions secondaires accessibles par la touche fonction, qui sont donc plus nombreuses puisqu'on a plus de boutons. Enfin, tout ça m'apparaît tout à fait normal en fait. La particularité des machines Electron, c'est que les encodeurs sont également des boutons poussoirs, et lorsque vous utilisez le poussoir avec l'encodeur,
vous allez pouvoir changer plus rapidement les valeurs. Un appui plus une rotation, c'est des changements rapides. Petit changement par rapport à l'Octatrack MK1, le changement rapide est moins rapide sur l'Octatrack MK1, alors que sur l'Octatrack MK2, le changement rapide, il est carrément très rapide. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Je vous laisse juger. Le fader, donc ça c'est carrément une fonction très importante de l'Octatrack, puisque c'est ça qui va nous permettre de naviguer entre les scènes. Celui-là a peut-être un poil plus de jeu que celui-là. Quand on lit un peu sur les forums et les sites web, on apprend que cette technologie-là sur ce fader sur le MK1, c'est une technologie avec un fader dit optique, alors que là c'est autre chose. Bon, globalement, hein, l'Octatrack MK2, sa raison d'être, c'est que les composants de l'Octatrack MK1, certains ne sont plus disponibles, dont ce fameux fader ici, qui est vraiment très très doux, hein. On peut le manipuler de manière très rapide et il est, c'est vraiment super quoi. Yes. Là, c'est pareil. Donc là, je pense que c'est plutôt une réussite. Au niveau du code couleur, c'est à peu près la même chose. Quand on passe en mode record et qu'on met des trigs, bah, on a du rouge. Et puis quand on fait fonction trig, on a du jaune ou du vert. C'est à peu près tout pareil, sauf que au lieu d'être des petites LED rondes qui sont au-dessus des boutons, bah, on a des LED carrées qui sont à l'intérieur des boutons. Niveau feeling global, moi je vous avoue, j'aime bien l'Octatrack MK1. J'aime bien le feeling de l'Octatrack MK1. L'Octatrack MK2, les boutons, c'est plus facile d'appuyer dessus. Les boutons, ils sont donnés pour 5 millions de pressions. Donc autant vous dire qu'avant que vous arriviez à casser le bouton, il va se passer un peu de temps. Bon, ok, là, j'ai rangé l'Octatrack MK1. Dans la boîte de l'Octatrack MK2, vous avez aussi le petit câble USB avec l'effet cordelette du plus bel effet. Et vous allez pouvoir le brancher en USB à votre ordinateur. Et cette fonction va vous permettre d'activer un mode qui s'appelle le mode USB. Et dans ce mode USB, vous allez pouvoir transférer des fichiers sur votre carte Compact Flash. L'Octatrack MK2, il a le même OS que l'Octatrack MK1. Hein, ce que dit Electron là-dessus, c'est que c'est une upgrade dite mécanique. Comme j'ai expliqué, c'était surtout une mise à jour visant à upgrader le jeu de composants qui servent à fabriquer l'Octatrack MK2. Donc une fois qu'on dit que l'OS de l'Octatrack MK1 et de l'Octatrack MK2 sont identiques, quand on upgrade, on s'en rend compte. D'ailleurs, c'est le même fichier hein, dans la rubrique Octatrack MK1 et Octatrack MK2. Il n'y a pas deux fichiers différents, c'est le même fichier. Et donc, quand vous upgradez, vous avez la même version d'OS. À ce stade, au moment où je shoote cette vidéo, c'est 1.30B. Et dans la version 1.30B, on introduit pour les deux machines une feature qui est très intéressante qui s'appelle les trig conditions. Et ça, ça va vous permettre d'associer des conditions de type probabilité au déclenchement de certains samples. Mais si on s'arrête 5 minutes sur ce que c'est que l'Octatrack, parce que je sais que c'est compliqué. Hein, les gens se demandent, mais comment vous faites pour faire de la musique avec une boîte? C'est même pas un instrument, qu'est-ce que c'est? Effectivement, ça peut être déstabilisant. Ça peut paraître complètement what the fuck. En réalité, c'est vraiment un instrument de musique. À la base, c'est un sampler, c'est-à-dire un échantillonneur. Vous lui donnez de l'audio à manger, il le stocke dans la carte Compact Flash ou dans sa mémoire interne. Vous avez 8 pistes. Avec ces 8 pistes, vous pouvez faire des modifications de vos samples, changer la position de départ, la longueur du sample, retriguer le sample pour qu'il soit rejoué plusieurs fois sur une durée très courte ou très longue, ou voilà, c'est réglable. Vous avez la possibilité de mettre des enveloppes, des filtres, deux effets qui peuvent être des filtres, égaliseurs, phaseurs, flangeurs, chorus, spatialiseurs, comp filter, compresseur, lofi, et dans l'FX2, la liste est plus longue. Il y a en plus un delay, un plate reverb, spring reverb et un dark reverb. Donc en fait, FX1, vous avez tous les effets sauf les delays et reverb. Donc ces 8 pistes, vous allez pouvoir les paramétrer de différentes manières. Dans le vocabulaire Electron, on appelle ça des machines. Dans l'Electron Octatrack MK2, plusieurs types de machines. Des machines type statique, flex, true, neighbor ou pickup. La statique, il s'agit d'un sampler qui va aller lire directement sur la carte Compact Flash. La flex, à l'opposé, va aller lire depuis la mémoire RAM. Le mode through, c'est un mode qui va permettre d'accepter de l'audio sur une des deux entrées AB ou CD, ou sur une entrée A, B, C ou D en mono, hein, si on veut, et de pouvoir gérer cet audio en utilisant l'Octatrack MK2 comme un processeur d'effet, par exemple. Neighbor, ça va prendre la piste d'avant et ça va la traiter avec la piste courante. Et Pickup Machine, ça va transformer la track en question en un looper, avec toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un looper. Donc, si vous faites entrer de l'audio sur une Pickup Machine, eh bien, vous avez jusqu'à 8 loopers en parallèle. Au-delà des pistes audio, vous avez aussi des pistes MIDI. Quand vous appuyez sur le bouton MIDI, vous transformez ces 8 pistes en 8 pistes MIDI et vous allez pouvoir dire à votre Octatrack d'aller gérer des pistes MIDI avec des hauteurs de notes, mettre des trigs. Par exemple, là, je suis en train de mettre des C3. Si je veux mettre un C4, ben, il faut que j'appuie sur le bouton et je vais mettre C4. Voilà, donc là, j'ai un C3, là, j'ai un C4. Si je veux mettre d'autres notes, voilà. Bon, c'est... La philosophie de comment on met tout ça en place, c'est pas forcément très intuitif. C'est une machine, l'Octatrack, il faut absolument lire la doc. De toute manière, les machines électrons, si vous lisez pas la doc, vous êtes
juste mort. D'où, on va dire, la réputation de relative complexité qui émane de ces bécanes. Parce que les gens se disent « Ah, c'est trop compliqué !» Bah oui, c'est trop compliqué. Si tu lis pas la doc, mec, c'est trop compliqué, c'est certain. Si vous avez du temps devant vous et que vous lisez les 150 ou 200 pages de doc, vous êtes en bien meilleure situation pour pouvoir utiliser votre Octatrack avec un tout petit peu d'efficacité. Ne vous dites pas « Tiens, je vais acheter un Octatrack et puis je vais pouvoir maniper, m'amuser immédiatement. » Non. Passez une semaine enfermé complètement avec dans votre studio pour pouvoir espérer commencer à faire quelque chose de propre et quelque chose qui tient la route. Ces pistes, vous pouvez leur affecter un certain nombre de traitements, comme j'ai expliqué, que ce soit des effets, que ce soit des enveloppes. Et vous avez aussi, par track, 3 LFO. Un LFO, c'est un oscillateur basse fréquence. Et vous allez pouvoir affecter cette modulation à n'importe lequel des paramètres de l'Octatrack MK2. Donc, très intéressant. Par exemple, si vous voulez faire varier la cutoff du filtre à rien de plus simple, vous utilisez un LFO. Une des features phares de l'Octatrack, MK1 ou MK2, c'est le paramètre locking. C'est vrai sur toutes les machines électrons, c'est la possibilité sur un trig en particulier de modifier un paramètre juste pour ce step. Donc évidemment, ça permet aussi d'enregistrer des mouvements de paramètres en temps réel et ça crée automatiquement des paramètres locking. Enfin, la killer feature de l'Octatrack, c'est évidemment ce fader. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Vous allez pouvoir switcher alternativement d'une scène A à une scène B. Imaginez une scène comme l'ensemble des paramètres qui sont gérés dans l'Octatrack, et eh bien ces paramètres vont être enregistrés à l'intérieur de la scène. Et donc vous allez pouvoir charger en appuyant sur le bouton A et en choisissant par exemple la scène 5. Lorsque vous avez le fader qui est du côté de la scène A, et eh bien tous les paramètres qui sont stockés dans la scène 5 vont être actifs. Si en scène B, vous voulez la scène 9, lorsque vous allez switcher de A vers B, on va morpher progressivement des paramètres qui sont de la scène 5 aux paramètres qui sont dans la scène 9. Voilà, ça fait beaucoup de blabla, mais je voulais vous expliquer en quelques mots quels sont les features de l'Octatrack. Il y en a évidemment plein d'autres, des centaines de pages de doc, ça se résume pas en 2 minutes. Alors la grande question, c'est qu'est-ce que j'en pense? Bah j'en pense du bien parce que ça reste un Octatrack. Je pense que les contrôles et tout ce qui faisait la force de l'Octatrack a été conservé, donc on ne peut qu'aimer la machine sincèrement. Ensuite, il y a quelques améliorations notamment au niveau du workflow puisque comme il y a plus de boutons, on peut aller directement notamment sur le bouton part. C'est pas encore super optimal pour être honnête avec vous. Ça aurait été mieux qu'on puisse sélectionner les parts directement. Moi j'aurais bien aimé un bouton part 1, 2, 3, 4. Ça aurait été vraiment super. Bon, peut-être pour une prochaine version. Après, il y a quelques petits trucs qui m'ennuient. Pas grand chose honnêtement. Cet écran, il est quand même beaucoup plus lisible que l'autre. Même s'il est plus petit, ça c'est vraiment le truc dommage, mais même s'il est plus petit, il est beaucoup plus lisible. Après, on peut reprocher éventuellement que sur certains écrans, c'est pas forcément très clair qu'est-ce qui est on et qu'est-ce qui est off. Comme c'est le même OS que sur l'Octatrack MK1, le fait d'avoir cet écran en négatif, en quelque sorte, ça rend les contrôles pas hyper lisibles. Par exemple, quand on va sur les settings des différents paramètres, parfois il y a des genres de représentation de bouton poussoir et on n'arrive pas très bien à savoir si c'est on ou si c'est off. Heureusement qu'il y a la sérigraphie en dessous pour s'en sortir, parce que sinon c'est pas hyper clair quand on lit le bouton. Après, ça reste un Octatrack, hein. Donc ça reste une machine compliquée, mais c'est quand même une bonne dose de fun. Voilà, vous pouvez le manipuler, ça plante jamais, c'est un truc rock solide, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Peut-être un tout petit point qui m'agace un peu, c'est que il reste quelques LED rondes là. Je trouve ça moins lisible que sur l'Octatrack MK1. C'est-à-dire que quand on veut passer de page en page et qu'on est sur une pattern à 64 pas par exemple, quand on a 4 pages, il y a 4 LED rouges. Ces 4 LED rouges, moi j'ai un peu de mal à voir laquelle est vraiment sélectionnée. Quand je fais très attention, je la vois. Mais je me dis que dans un environnement où on est par exemple sur un live ou quelque chose comme ça, ça ne doit pas être très facile. Si je compare par rapport à l'Octatrack MK1, cette différence, elle est beaucoup plus marquée.
Alors ça, c'est peut-être rien du tout, c'est peut-être juste une mise à jour logicielle qui va marquer plus la différence entre une LED dite sélectionnée et une LED pas sélectionnée. N'oublions pas qu'il y a des avantages à l'OctaTrack MK2. Hein. Le premier avantage, c'est le support sur la durée, puisque l'OctaTrack MK2 vient de sortir, donc on peut envisager qu'Electron fasse le support de cette machine pendant quelques années. Le fait qu'elle ait été fabriquée avec de nouvelles pièces nous garantit qu'on trouvera des pièces détachées quand on en aura besoin. Le fait qu'au niveau des entrées, par rapport à l'OctaTrack MK1, on a cette fois-ci des entrées qui sont symétriques. Les sorties de l'OctaTrack MK1 étaient symétriques, mais pas les entrées. Donc ça, c'est un avantage de l'OctaTrack MK2. Au chapitre des désavantages, il y a l'aspect lié à la mémoire mécanique de la main. Puisque quand on veut passer d'une fonction à l'autre, moi j'ai l'habitude de l'OctaTrack MK1, j'ai l'habitude de faire fonction edit, j'ai l'habitude d'aller fonction project, j'ai l'habitude de faire un certain nombre de mouvements. Aujourd'hui, je me sens un peu comme dans un slip neuf. Donc je retrouve pas vraiment mes habitudes. Donc un truc, c'est que si vous voulez passer de l'OctaTrack MK1 à l'OctaTrack MK2, cette particularité risque de vous gêner. Voilà, somme toute, une super bécane. Bon, c'est pas parfait, c'est un peu compliqué, c'est vrai que l'écran plus petit, c'est un peu gonflant. Après, moi j'ai quand même un faible pour le look de l'OctaTrack MK1, mais ça c'est vraiment une question de goût. J'aime bien la belle robe noire de l'OctaTrack MK1, j'aime bien le fait que ce soit une finition mate, j'aime bien ces boutons, c'est stylisé, j'aime... Ouais, c'est vraiment quelque chose de sympa. Moi je sais que personnellement, l'upgrade, ça risque de me coûter. Parce que j'aime beaucoup le form factor, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les boutons, je trouve ça bien. Et puis finalement, l'écran, moi ça me dérange pas qu'il soit pas hyper lisible. Mais c'est vrai que je me dis que quand mon OctaTrack tombera en panne, si vraiment je veux le faire réparer et qu'il me manque une pièce, si je le renvoie chez Electron et qu'ils ont besoin de ce fameux fader et qu'il est plus fabriqué... Donc, est-ce qu'il faut upgrader de l'OctaTrack MK1 à l'OctaTrack MK2? Bah ça dépend. Comme j'ai dit, si votre OctaTrack MK1 est un peu vieux et que vous craignez pour sa santé, si vous avez besoin de le réparer, c'est vrai que le revendre maintenant et racheter un OctaTrack MK2, ça peut quand même être une bonne manière d'approcher le futur. Surtout si c'est une machine dont vous vous servez régulièrement pour vos lives, pour votre musique, vous basez votre studio, votre musique là-dessus. Oui, l'ajout des nouveaux boutons, c'est vrai que c'est sympa, mais est-ce que ça fait une si grosse différence que ça ? C'est pas sûr. Ensuite, c'est une question de goût. Si on considère que les fonctionnalités des deux OctaTrack MK1 et MK2 sont identiques, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. Sur un site web, il y a un gars qui compare ça à une mise à jour d'iPad. C'est exactement la même chose. Vous achetez un nouvel iPad, votre nouvel iPad est plus rapide, mais finalement, ça reste un iPad. C'est la même chose. Donc voilà. Et là en plus on n'a même pas le côté rapide du truc puisque au niveau processeur c'est la même chose. C'est vraiment le même appareil, il y a juste quelques pièces qui ont changé, des boutons en plus, pas la même couleur, bon. Après je vous dirais bien un truc, c'est une formidable opportunité pour acheter un OctaTrack MK1. Il va y avoir des gens qui vont vouloir passer du MK1 au MK2. Donc moi je dis, si vraiment vous voulez vous mettre à l'OctaTrack, l'OctaTrack MK1 c'est pas une machine honteuse, loin de là. C'est une super bécane. Peut-être que la sortie de cet OctaTrack MK2 c'est l'opportunité de regarder le marché de l'occasion et de vous équiper en OctaTrack MK1. Sinon, vous allez voir votre magasin de musique favori et vous essayez de choper un MK1 neuf, c'est encore meilleur. Cet OctaTrack MK2, il est à 1449€ sur le site michetot.com, c'est le prix du marché, donc n'hésitez pas à le racheter. Moi-même, je dois dire... je réfléchis. Allez, je vais continuer de réfléchir.